Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015 à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est une réponse à son appel. Groupe de réflexion, il rassemble tous les deux mois une vingtaine de membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets religieux, philosophiques ou sociétaux. Les sujets sont proposés par les membres et les exposés préparés par eux avant d'être présentés à l'ensemble du groupe pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure. La version écrite des exposés est disponible la plupart du temps dans la description de la vidéo. Après l'exposé, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels où chacun peut exprimer ses questions et ses réactions. Fils André Boulade, qui a désormais rejoint le Père Céleste, intercédé pour nous et continué d'inspirer notre groupe, fier de porter son nom. Alors, qui c'est qui s'est déjà penché sur la question de savoir comment l'islam voit les personnages de la Bible? Vous savez déjà un peu? On ne serait pas là. Une fois, tu nous avais parlé justement de Marie. Voilà. Et il y avait deux Maries. Il y en avait une qui était la sœur Taron, l'autre qui était la mère de Jésus. Oui. Ça, qui était découvert de la croix. Oui, on va aborder ça. Donc, en introduction, certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Ça, c'est la sourate 3, 19 qui nous le dit. Attends. Et cette religion est supposée avoir été révélée à Adam, puis à 18 autres prophètes. Enoch, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jonas, Élie, Élisée, Job, Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus. Une sourate nous dit, c'est la sourate 3:84, nous croyons en Dieu, à ce qui est descendu sur nous, et à ce qui est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Issa c'est Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui nous sommes soumis. Tout est dit. L'islam ne se présente donc pas comme une nouvelle religion, mais comme la continuité d'un même message originel transmis successivement à tous les prophètes jusqu'à son aboutissement dans Mohammed, sommet et clôture de la révélation. Aussi, lui seul fait foi. En effet, tous ces prophètes, Jésus y compris, étaient des musulmans dont l'enseignement fut détourné et falsifié, enfin, c'est bon. Je vous dis la sourate en question. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Ça, c'est la sourate 4, verset 46, jusqu'à, bien sûr, l'avènement de Mohammed, l'ultime envoyé de Dieu. Il doit corriger le judaïsme et le christianisme, lutter contre les associateurs, terme désignant les chrétiens, lesquels, selon le Coran, associés à Dieu, Issa et Marie,
Je vous cite la sourate en question. Ô Jésus, fils de Marie, c'est Dieu qui parle. C'est Allah qui parle. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors de Dieu et guidez l'humanité de force, s'il le faut, vers l'unité de Dieu. Donc, dans cette recherche, nous allons étudier la singularité de la présentation que l'islam fait des personnages bibliques auxquels il s'intéresse, comparé à ce que nous en dit la Bible. Nous en tirerons les conclusions qui s'imposent. Et nous commençons par les anges. Alors, figurez-vous que dans l'islam, le Coran consacre un chapitre entier, la sourate 72, aux djinns. Alors les djinns, nous, dans notre culture, on ne connaît pas à ce titre, mais c'est en fait les démons. Hein. Et les djinns furent créés par Dieu avant les hommes, à partir d'un feu sans fumée. Je vous cite le verset. Nous avons certes créé l'homme d'une argile sonnante, extraite d'une boue malléable. Quant aux djinns, nous les avons créés auparavant, donc avant les hommes, d'un feu sans fumée, d'une chaleur ardente. Et ça, c'est la sourate 15, 26, 27. Dans la pensée islamique, Satan, nommé Iblis, est donc une créature provenant du monde des djinns, et les djinns ont été créés en tant que démons, en tant que djinns. En tant que djinns. Mais pas tonique. Non, il parlait d'autres djinns. À la différence des anges qui ne peuvent qu'obéir à Allah, les djinns partagent avec l'homme le libre arbitre. Voilà la référence. Pardon, c'est juste cette idée-là, que les anges ne peuvent qu'obéir ? Oui, dans l'islam, c'est comme ça. Mais on y va doucement. Donc, un chapitre entier leur est consacré, où l'on apprend qu'il existe les bons djinns. Devinez ce qui sont les bons djinns. Ce sont ceux qui se sont convertis à l'islam. Et les mauvais sont qui l'ont refusé. Et je vous lis la sourate. Et lorsque nous avons entendu le guide, c'est-à-dire le Coran, nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression. Il y a parmi nous les musulmans et il y a les injustes, et ceux qui se sont convertis à l'islam, ce sont ceux qui ont cherché la droiture. Sourate 72, verset 13-14. Ce qui nous amène à la raison de l'expulsion de Satan des cieux. Elle ne réside pas dans une rébellion contre un projet de Dieu qui veut faire alliance avec les créatures inférieures aux anges que sont les humains, mais dans son refus de se prosterner devant Adam. Je vous lis la sourate. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis. Iblis, c'est le diable, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah lui dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissant, extraite d'une boue malléable. » Et Allah dit, « Alors sors d'ici, car te voilà banni. Et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Ça, c'est la sourate 15, verset 30-34. Donc, le diable est puni parce qu'il refusa de se prosterner devant une créature. Ça vous paraît pas bizarre, ça? Oui. Alors ça rappelle étrangement la légende des Juifs de Louis Ginsberg, c'est le livre en question, donc, qui dit dans ce livre qui est de recueil des légendes juives, lorsqu'Adam fut doté d'une âme, Dieu invita tous les anges à venir lui faire révérence et hommage. Satan, le plus éminent des anges du ciel doté de 12 ailes, au lieu de 6 comme les autres, refusa à tenir compte de l'ordre de Dieu, disant, tu nous as créés anges de la splendeur de la Shekinah, et maintenant tu nous commandes de nous prosterner devant la créature que tu as façonnée de la poussière de la terre. Vous voyez, c'est la légende juive. Vous voyez d'où vient le texte du Coran. Alors, autre remarque. Dieu discute avec les anges avant la création d'Adam. Ça, c'est dans la sourate 3, 71-72. Et là aussi, c'est un emprunt aux légendes juives.
Donc, je vous lis le passage. Dans sa modestie, Dieu consulta les anges avant la création du monde sur son intention de faire l'homme. Vous voyez un peu les extraits qui correspondent plus aux gens juifs qu'à autre chose. Troisième remarque, ce sont les anges qui sanctifient Dieu. Je vous lis la sourate. Vas-tu en établir un qui sèmera la corruption et répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier, à te sanctifier? Donc, qui va sanctifier Dieu? Les anges. Ça vous paraît pas bizarre tout ça? Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Dans deux sourates, la sourate 2, 33, et dans une autre 7, 11, Satan, qui est un djinn, fait partie des anges. Tu vois, ça répond un petit peu à ta remarque. Il y a de la confusion. Et je vous cite la sourate. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Donc, confusion. Dernière remarque, les anges questionnent Allah alors qu'ils ne disposent pas du libre arbitre. L'islam nous dit qu'ils ne disposent pas du libre arbitre, mais quand Allah leur dit « je vais créer un homme », ils le disputent. Maintenant, on va parler d'Adam. Alors, dans le Coran, Dieu informe les anges de son intention de créer Adam. Je vais créer un être humain à partir d'argile sonnante. Lorsque je l'aurai bien façonné et que je lui aurai insufflé de bon esprit, jetez-vous prosterné devant lui. C'est la sourate 3, versets 71-72. Ceux-ci répondent, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un vice-roi sur la terre, ils dirent, vas-tu établir un qui sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier, à te sanctifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc, ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure sur les anges qui questionnent Dieu alors qu'ils ne sont pas doués de libre arbitre. Donc, Satan, il avait juré d'égarer Adam et Ève d'après la sourate 7, verset 16-17. Initialement, Adam et Ève sont au paradis. Je vous cite la sourate. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, puis mangez tous deux, de partout à votre guise, et n'approchez pas de cet arbre que voici. Vous seriez alors tous deux du nombre des prévaricateurs. Là, c'est la sourate 7, verset 19. Mais Satan avait juré de les égarer, ainsi que leurs descendants. Je vous cite la sourate. Je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. Là, c'est la sourate 7, versets 16 et 17. Alors, maintenant, on va parler un peu de cet arbre. De quel arbre il s'agit? Donc, je vous cite la sourate 7, verset 20. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges et de devenir immortels. Ça, c'est la sourate 7. Verset 20. Petite remarque, le Coran se garde bien de nommer l'arbre. La raison de son interdiction, si on comprend bien, est d'empêcher le couple originel de devenir des anges. Quant à devenir immortel, c'est la confusion entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Je vous dis le passage. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commencèrent à se couvrir des feuilles de paradis. Et le Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas dit, vous deux, interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était vraiment pour vous un ennemi déclaré? Ça c'est sourate 7, 22. Mais Dieu va leur pardonner. Je vous lis la sourate, puis son Seigneur le choisit, accepta son repentir et le guida en parlant de Adam. Donc, à la différence de la version biblique, Adam et Ève sont pardonnés. Mais par contre, ce que nous ne comprenons pas, c'est que Adam et Ève sont quand même expulsés du paradis.
Je vous lis le passage. « Descendez tous de là, ennemis les uns pour les autres. Puis, si une guidance vous vient de ma part, quiconque suivra ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. » C'est la sourate 20, verset 123. Autrement dit, bien que le péché originel soit nié, et que nulle âme, d'après le Coran, ne portera le fardeau d'un autre en plus du sien, ça c'est la sourate 35-18, l'islam ne nous explique pas pourquoi le couple originel et nous-mêmes sommes privés du paradis. C'est un point crucial pour la suite. Le salut ne provient pas du sacrifice du Christ, mais d'une guidance de la part d'Allah à travers les prophètes et de Mohammed. Comment ils vont faire ça? En professant l'unicité de Dieu. Donc l'islam nie la nécessité du salut obtenu par l'Esprit Saint jailli du cœur transpercé de Jésus sur le bois du sacrifice. Autre chose, la nature pécheresse de l'homme est niée. Le péché, c'est une infraction à la loi qui ne corrompt ni le cœur ni l'esprit du pécheur. Le péché d'Adam n'entraîna donc aucune conséquence sur la création. L'homme doit juste se soumettre à la loi islamique et à la jurisprudence de la Sunna. La relation entre Allah et l'humanité étant une relation maître-esclave, l'esclave qui désobéit est puni avant d'être rétabli. Seuls les apostats ou les mécréants ont cours des conséquences éternelles. Donc dans l'islam, le péché le plus grave, c'est pas de tuer son prochain, c'est d'être un mécréant. Les hadiths attribuent à Adam d'avoir bâti la première Kaaba. Donc, et à l'emplacement où Dieu lui aurait fait dresser une tente lorsqu'il fut chassé du paradis. Voilà. Maintenant, on va parler de Cain. Il y a des questions déjà avant de passer à Cain? Ok. D'après les hadiths, Ève accouchait toujours de jumeaux, garçons et filles, le garçon ne pouvant épouser sa sœur jumelle. Or, Cain voulait épouser la sienne et refusait de la laisser à Abel. Leur père leur dit alors de faire des offrandes, et celui dont l'offrande serait acceptée mériterait d'épouser la sœur qu'ils convoitaient tous les deux. Cain labourait la terre, tandis qu'Abel élevait du bétail. Cain offrit son pire grain, tandis qu'Abel offrit son meilleur bétail. Dans le Coran, l'histoire. Je vous la lis. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux firent une offrande, celle de l'un fut acceptée, mais celle de l'autre ne le fut pas. Ce dernier dit à son frère, donc en parlant de Cain, « Je te tuerai sûrement. » Abel répondit, « Dieu n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. » Même si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne tiendrai pas la mienne vers toi pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur des mondes. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère, alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Ça, c'est l'histoire racontée dans Sourate 5, 27-28. Mais Cain ne sait pas quoi faire avec le cadavre d'Abel. Ça, c'est la particularité islamique. Jusqu'à ce que Dieu lui envoie un corbeau, que vous voyez là sur l'illustration. Puis Dieu lui envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit, « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau et d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Et il fut dès lors du nombre de ceux qui sont rongés par les regrets. Ça c'est la sourate 5, verset 30. Petit détail, tous ces détails sont empruntés aux légendes juives. Je vais vous les lire. Abel choisit les meilleurs de ses brebis pour le sacrifice, mais Cain prit d'abord son repas et après avoir apaisé son appétit, il offrit à Dieu les restes, quelques grains de lin. Mais ce n'était pas là l'unique cause de la haine de Cain pour son frère. C'est l'amour d'une femme qui en partie causa le crime. Pour assurer la propagation de la race humaine, une fille destinée à devenir sa femme naquit en même temps que chacun des fils d'Adam. La sœur jumelle d'Abel était d'une beauté exquise et Cain le désira.
C'est pourquoi il ruminait sans cesse les manières de se débarrasser de son frère. Caïn répondit, « Et si je te tue, qui me demandera des comptes pour ton sang ?» Abel répliqua, « Dieu qui nous fit entrer dans le monde me vengera. Il demandera des comptes pour mon sang si tu m'assassines. Dieu est le juge qui punira les méchants à cause de leurs mauvaises actions et les pécheurs à cause de leurs péchés. Si tu m'assassines, Dieu connaîtra ton secret, il t'infligera le châtiment. » Un autre passage. Puis un jour, les parents en deuil observèrent un corbeau qui grattait la terre et la rassemblait en un seul endroit. Puis il enfuit un oiseau mort de son espèce. Suivant l'exemple du corbeau, Adam enterra le corps d'Abel et le corbeau fut récompensé par Dieu. Vous voyez d'où vient l'histoire du Coran ? Des légendes juives. Ça, c'est, toutes ces légendes sont regroupées dans un livre que je vous ai cité tout à l'heure, Les légendes des Juifs de Louis Ginsberg. Alors, Abraham. Alors, Abraham, on va s'attarder un peu plus parce que c'est vraiment un personnage clé. En arabe, Abraham se traduit par Ibrahim, seul nom sous lequel il est connu en islam. Alors, notez que dans la Bible, Abraham s'appelait d'abord Abraham, jusqu'à ce que Dieu lui change son nom. L'islam fait Abraham ce qu'il fera avec d'autres personnages bibliques en leur changeant leur nom. Le sens porté par les noms originels est perdu. Par exemple, Jésus, Dieu sauve, devient Issa, qui ne veut rien dire. Pour Abraham, l'islam omet le changement du nom Abraham en Abraham. Il est qualifié de Ibrahim tout le temps. Pareil pour Sarai, qui va se transformer en Sarah. Mais Sarai et Sarah n'est pas nommée dans le Coran. Donc il n'y a qu'une seule femme qui est nommée dans le Coran, c'est Marie. Voilà. Donc, le H là, dans le Abraham rappelle les deux H qui se trouvent dans le Yahvé. C'est la cinquième lettre de l'alphabet hébreu et qui symbolise le souffle divin. Donc, Abraham, ça veut dire père exalté. Abraham, ça veut dire père d'une multiple nation. Ce sens que nous, on connaît bien dans la Bible, il n'existe pas dans l'islam. Et ce souffle vivant, divin, qui change Abraham en Abraham, complètement méconnu. Le Coran qualifie Ibrahim de seul de vrai musulman qui n'était pas du nombre des associateurs. Ça, c'est la Sourate 3, verset 67. L'islam se considère donc comme la religion d'Ibrahim. Je vous cite la Sourate 16, 121. Ibrahim était un vrai musulman reconnaissant Allah pour ses bienfaits. Alors, Ibrahim est même considéré comme un hanif. Le mot hanif pourrait être compris comme celui qui professe l'unicité de Dieu jusqu'à briser les idoles. En arabe, c'est quoi hanif? Hanif. Ah, ça, ça, c'est la sourate 21, 58. Mais la réalité sur le mouvement hanif, c'est que c'est un mouvement qui s'est répandu dans le siècle qui a précédé l'islam. Et c'était l'œuvre, essentiellement l'œuvre d'un monsieur qui s'appelait Umayya ibn Abi Salt. C'est le livre qui est là sur la gauche. Les Hanifs c'était des Arabes qui avaient été au contact des judéo-nazaréens. Qui les ont embrigadés dans un projet qui va se transformer pour devenir l'islam, mais beaucoup plus tard. Ils étaient influencés par le mandéisme, par le zoroastrisme, ils faisaient des jeûnes de 30 jours, bref,
le mouvement Hanif est beaucoup plus complexe que juste des gens qui professent l'unicité de Dieu. Pardon ? J'ai juste une question. Du temps d'Abraham, Jésus ne dit pas combien, pourquoi il parle à l'associateur ? L'islam, oui. Quand le texte de le Coran est écrit, oui. Les chrétiens étaient déjà considérés comme des associateurs. Ils mettent ça sur les mots d'Abraham. Ah, d'accord. Okay. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'Abraham avait dit ça, hein, en réalité. Alors, Abraham est un exemple de la foi originelle que Mohammed vient défendre. Sa figure permet à l'islam d'acquérir une légitimité biblique tout en se démarquant du judaïsme et du christianisme disqualifié pour avoir dévié de la foi originelle. Donc, encore un petit détail, d'après le Coran, comme Moïse, Ibrahim avait reçu une écriture. Donc, Moïse, il a reçu la Pentateuque, mais Ibrahim aussi aurait reçu une écriture, sauf que on ne connaît pas ces écritures, personne ne les connaît. Alors, dernier un petit truc encore, dans d'autres chapitres, Abraham est qualifié d'ami intime de Dieu, c'est-à-dire, en arabe, Khalil Allah. Ce que les musulmans ignorent, c'est que ce qualificatif est emprunté au récit talmudique et intertestamentaire. Et je vous ai mis la référence en question. Alors, en effet, l'histoire islamique de la tribu d'Ibrahim, c'est que son père s'appelait Terah, ils vont changer son nom en Hazar, était idolâtre. Et c'est à lui que Ibrahim s'adressa en premier pour l'appeler au monothéisme. Voilà, je vous cite le verset coranique. Ô Mohammed, parle d'Ibrahim dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne te profite en rien ?»« Ô mon père, il m'a été révélé un savoir qui ne t'est jamais parvenu. Suis-moi donc, je te guiderai sur un droit chemin. » Ça c'est la sourate 19, 41-43. Son père refusa. Il lui répondit, « Prendrais-tu en aversion mes divinités, ô Ibrahim ? Si tu ne cesses, je te lapiderai sûrement. Éloigne-toi de moi et pour longtemps. » C'est la sourate 19, verset 46. Alors, d'après la version islamique, plus tard, Ibrahim va détruire les idoles. Ça, c'est la sourate 21, 58, ce qui lui vaudra le bûcher. Mais Dieu le sauva des flammes. Je vous cite la sourate. Alors nous dîmes, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur apaisante. Ils avaient voulu sa perte, mais nous fîmes d'eux les plus grands perdants. C'est la sourate 21, verset 69-70. Pareil, cette histoire est empruntée à des récits légendaires, les légendes des juifs que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, dans l'islam, c'est en raison du polythéisme exercé à Haran qu'Ibrahim se sépara de son père et de sa tribu et partit pour Canaan en tant que jeune homme. Je vous rappelle que dans la Bible, Abraham quitta Haran par obéissance à l'ordre reçu par Dieu. Il était âgé de 75 ans et déjà marié à Sarah. Abraham demeura à Canaan jusqu'à ce qu'une famine le force à immigrer en Égypte. Ça, c'est la version biblique. Mais dans la version dans la version islamique, il y a des petites différences. Par exemple, Pharaon fit de Sarah sa captive. Mais quand il s'approcha d'elle, son corps se raidit. Il promit alors à Sarah de la relâcher si elle priait son Dieu de le sortir de cette fâcheuse position. Et par la suite, il va la laisser retourner auprès de celui qu'il croyait être son frère, lui offrant divers cadeaux. Et la nouveauté, c'est que dans ces cadeaux, il y avait la servante Hagar, la future mère d'Ismaël. Alors, à noter que l'islam confond Genèse 12,
où Abraham et Sarai se retrouvent en Égypte face à Pharaon, et Genèse 20, où Abraham et Sarah se retrouvent à Guérar face au roi Abimelech. Donc, dans la Bible, il y a deux fois une histoire qui se ressemble. En islam, c'est confus. On ne sait pas si c'est... Il n'y a pas de... Les deux histoires sont confuses. Alors, de retour à Canaan, toujours sans enfant, malgré la promesse de Dieu, Abraham, Ibrahim va épouser Agar sur les conseils de Sarah. La Bible affirme que Agar fuit l'humiliation exercée sur elle par Sarah. L'ange du Seigneur va la trouver dans le désert et près d'une source sur la route de Chour. Il lui ordonna de retourner chez sa maîtresse avec la promesse d'une descendance tellement nombreuse qu'elle sera impossible à compter. Je vous lis la Bible. Retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main, et un peu plus tard, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc ça, c'est la promesse qu'elle a faite à Sarah. L'ange a fait à Sarah. Et il continue. Voici, tu es enceinte et tu vas enfanter un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans son affliction. Ismaël veut dire Dieu entend. Et voilà la description qu'en fait l'ange. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. La main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Donc, la promesse que l'ange va faire à Sarah, c'est que Ismaël va être comme un âne sauvage. Ça veut dire quelqu'un qui va errer sans. C'est la meilleure description qui correspond à ça. C'est dans le livre de Job qui parle aussi d'un sauvage. Il s'agit de quelqu'un qui erre, que, c'est un peu comme les Bédouins, quoi, qui n'ont pas de, il n'y a pas de, voilà, ils n'ont pas de maison, de loi citadine, tout ça, voilà. Et il habitera face à ses frères, c'est-à-dire il sera toujours en opposition avec les autres, ceux qui sont dans les villes. Alors, pour revenir à l'histoire, donc, dans l'islam, il y a une confusion entre la fuite d'Agar, enceinte d'Ismaël, que nous avons vu à l'instant dans Genèse 16, 9, avec ce qui va se passer plus tard, où Agar sera chassé à ce moment-là de la maison d'Abraham à la demande de Sarah. Ismaël est alors âgé de plus de 13 ans. Ça, c'est Genèse chapitre 17. Je vous lis, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, ne sois pas triste à cause du garçon de ta servante, écoute ce que Sarah te dira, car, écoutez bien, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Donc il y en a un qui va être le fruit de l'alliance, et l'autre qui va être juste une grande nation. Il n'y a pas de promesse d'alliance. Au sujet d'Ismaël, écoutez bien ce que dit Genèse 17. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Voilà. Alors, l'histoire nous dit qu'Abraham va prendre du pain et une outre d'eau et la remettre à Agar et lui remit l'enfant et la renvoya. Et elle va partir et errer dans le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba est à peu près à 42 km d'Hébron. Donc il lui a donné
ce qu'il faut pour tenir un trajet de 2 jours. Hein. Et elle va s'asseoir donc elle était triste parce qu'elle pensait que l'enfant allait mourir. Et Dieu entendit la voix du petit garçon et du ciel. L'ange de Dieu appela Agar et lui a dit, sois sans crainte, Dieu a entendu ta voix. Et donc ça c'est Genèse 21, 14, 18. Donc il lui dit, prends le garçon, tiens-le par la main. Je ferai de lui une grande nation. Et donc c'est là qu'elle va apercevoir un puits, et comme ça ils sont sauvés de la soif, de la mort par la soif. Alors dans la version islamique, Ismaël est donc un tout petit enfant quand Dieu ordonna à Ibrahim de l'amener dans une vallée appelée Baka. Et l'islam considère que cette vallée appelée Baka, c'est Mecca, la Mecque. Sauf qu'elle est distante de 1400 km, vous voyez un peu. Difficile. Donc, Ibrahim, pareil, va lui laisser une outre remplie d'eau et un sac plein de dattes, pour faire les 1400 km. Puis, il s'arrêta à un col étroit de la montagne, où nul ne pouvait le voir, et invoqua Dieu. « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée, près de ta maison sacrée, ça c'est la Mecque, qui va d'après la version islamique, ô Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière. Fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies parmi les hommes et nourris-les des fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. » Donc, il demande à Dieu de faire nourrir Sarah et l'enfant avec un sac de dattes pour faire les 1400 km. Comme les réserves en eau et en dattes s'épuisèrent, Agar laissa Ismaël sous un arbre, puisqu'elle alla la pente abrupte d'une colline située tout près, espérant apercevoir une caravane. Et elle parcourut ainsi 7 fois la distance entre les 2 collines, connues sous le nom de Safa et Marwa. Alors pour vous, pour ceux d'entre vous qui connaissent le déroulement du Hajj à la Mecque, les musulmans parcourent les distances entre 2 monticules à la Mecque, qui sont appelés Safa et Marwa. Et c'est l'origine de ce rituel. Il se trouve dans cette histoire d'Ibrahim. Et d'après un hadith, l'ange va faire jaillir la source après Zamzam, c'est une source qui se trouve à la Mecque, juste à côté du bébé, et c'est comme ça qu'il va le sauver de la soif. Et donc, d'après la version islamique, tout ça, ça se passe à la Mecque. Alors, maintenant, on va s'intéresser à Ismaël. Ismaël est supposé être l'aïeul de Mohammed. Ismaël est donc le lien par lequel l'islam se rattache à Ibrahim. Et Ibrahim étant le lien par lequel l'islam se rattache à la tradition biblique. Et ce lien est... repose sur un monsieur qui s'appelle Ibn Isaac, qui a vécu bien plus tard que les événements supposés avoir eu lieu, et de son vivant, ce monsieur était considéré par les autres commentateurs musulmans comme un faussaire. Dans la référence que je mise, les gens qu'il avait connus expliquent pourquoi on ne peut pas lui faire confiance. Et pourtant, cette généalogie fabriquée va être admise par l'islam officiel. Donc, le lien entre Mohammed et Ismaël, c'est Ibn Ishaq qui est reconnu comme être un faussaire. Il établit une généalogie basée sur rien. Et c'est admis aujourd'hui comme valable par les musulmans. Le Coran mentionne Isaac sans le nommer comme l'enfant du sacrifice. Ça, c'est dans la sourate 37, 102, 105. Alors, et ça est confirmé, c'est confirmé par le plus illustre des historiens islamiques, qui s'appelle Al-Tabari, qui a vécu donc, au 9e siècle.
même au dixième. Mais pour des raisons purement idéologiques, beaucoup d'apologistes musulmans, si vous regardez un peu sur Internet, prétendent que l'enfant du sacrifice est Ismaël. Mais il n'y a pas, bien sûr, il se base sur rien. Donc, après, selon la tradition islamique, après plusieurs années de séparation, Ibrahim retrouve Ismaël à la Mecque, où ils vont construire la Kaaba. Je vous lis le verset. Et rappelle-toi, lorsque nous fîmes de la maison un refuge et un sanctuaire pour les gens, en disant, adoptez comme le lieu de prière ce lieu où se tint Ibrahim. Et nous commandâmes à Ibrahim et Ismaël, purifiez ma maison pour ceux qui circulent autour et ceux qui y méditent, qui s'y inclinent et s'y prosternent. Sourate 2, verset 125. Le Coran considère Ismaël comme un prophète et un messager. Je vous lis la sourate et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat, c'est-à-dire l'aumône chez les musulmans. Et il était agréé auprès de son Dieu. Sourate 19, verset 54-55. Les musulmans se considèrent donc les descendants d'Ismaël. Saint Jean Damascène, qui est un docteur de l'Église et qui a vécu, regardez sa vie, donc 600, il a vécu entre 652 et 750, ce qui correspond à la période des Omeyyades, de la dynastie Omeyyade. Il qualifie les gens qui ont occupé la Syrie. Donc il était témoin de ces événements, ou la génération après, puisque lui il est né en 652, si il a dû connaître, c'est ses parents qui ont connu là. Il n'appelle pas les nouveaux venus musulmans, il les appelle ismaélites, agaren, ismaélite c'est en rapport avec Ismaël, agaren en rapport avec Agar, ou saracène, et là il y a beaucoup de... d'avis différents concernant l'étymologie. Saracen, ça vient d'où alors? Alors, l'étymologie la plus probable, mais je ne suis pas certain, c'est que c'est les gens qui habitaient sous des tentes. Ah, ok. Voilà. Il décrit leur idéologie dans le dernier chapitre de son ouvrage, le livre des hérésies. C'est bon. Le livre des hérésies. Et donc, je vous conseille de lire ce livre sur Internet, parce que je vous rappelle, ce père de l'Église qui est saint et qui a vécu sous les Omeyyades, il va permettre dans son livre de décrire les échanges, les dialogues qu'ils pouvaient avoir les musulmans. C'était pas encore des musulmans. C'est avec ces gens-là qui étaient venus occuper la Syrie. Et il parle avec autant de liberté et de fermeté. S'il disait le moitié du dixième, du centième aujourd'hui dans n'importe quel pays musulman, il aurait été lapidé. Ou non, lui couper la tête. Or, il s'est permis d'écrire ce livre sur les Omeyyades. Je voulais juste attirer votre attention que l'historiographie officielle ne correspond pas avec ce qu'il a vécu et ce dont il témoigne dans ce livre. Voilà, maintenant, ce n'est pas le sujet ce soir, ce serait un peu trop long. Bon, alors... Et personne ne parle d'Isaac, là, mais... D'Isaac ? Oui. Les musulmans citent Isaac, mais pour eux, Isaac, ce n'est pas intéressant. Et Sarai, c'était quand même... Ils n'en parlent pas des femmes. Ils disent l'épouse d'eux, mais jamais. Donc, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est de lier Muhammad à la Bible. Pour avoir une légitimité de dire, c'est nous qui avons raison, les chrétiens et les juifs ont tort. C'est notre version qui est la bonne.
Alors, ça va ou on continue ou on garde le reste pour la prochaine fois? On continue? Oui? D'accord, alors on va parler de Joseph maintenant. On va faire encore Joseph. Okay. Alors, l'histoire de Joseph est racontée dans la sourate 12. La singularité par rapport à la Bible est qu'elle présente Joseph comme prêt à succomber à la séduction. Je vous lis le passage. Or, celle qu'il avait reçue dans sa maison, vous voyez là aussi, il ne la nomme pas. Jamais le Coran ne nomme les femmes. C'est pas par hasard. Donc, celle qu'il avait reçue dans sa maison chercha à le séduire. Elle verrouilla les portes et dit, viens. Elle le désirait vraiment. Et c'est là que la particularité, c'est qu'il aurait désiré aussi, n'eût été ce qu'il vit comme une preuve évidente de son Seigneur. Ça, c'est la sourate 12, 23, 24. L'autre singularité, c'est que quand il va être accusé, il va démontrer son innocence parce que sa chemise est déchirée par derrière. Donc, si elle avait été déchirée par devant, c'est la femme qui aurait dit la vérité, mais là, c'est lui qui s'enfuyait, elle voulait le retenir, donc c'est la preuve du contraire. Donc, je vous lis la sourate. Si sa chemise était déchirée par devant, alors elle dit la vérité, tandis qu'il ment. Mais si sa chemise est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il dit la vérité. Sourate 12, verset 27-28. Et c'est aussi un emprunt aux légendes des Juifs que vous trouverez dans l'histoire de Joseph racontée dans les légendes des Juifs de Louis Ginsberg. Après, ça, on va s'attaquer à Moïse. Moïse, c'est un morceau plus important. Il est cité 112 fois dans le Coran au cours de 27 sourates. Et surtout, c'est dans les 45 premiers versets de la sourate 28 qui traite exclusivement de sa personne. Comme d'habitude, s'y rajoute beaucoup de récits extra-coraniques dans la sunna, rapportés surtout par un monsieur qui s'appelle Ibn Kathir. Dans la version islamique, Pharaon décide de tuer tout nouveau-né mâle israélite, par suite du rêve qu'il fit, qu'un des fils d'Israël allait lui ravir son trône. Donc ce rêve, dans la Bible, à ma connaissance, il n'existe pas. Pour continuer à disposer d'esclaves, il décida cependant que des enfants mâles seraient tués une année sur deux. Ça aussi, c'est une singularité. Le bébé Moïse, lui, il est recueilli par la femme de Pharaon et non pas sa fille. Et sa sœur. Oui. Non, le bébé Moïse est reconnu par la femme de Pharaon. Non, mais dans la Bible, c'est ah, sa sœur. Ah, d'accord, pardon. Voilà. Sa sœur, pardon. Oui. Alors, à la suite du prodige que Moïse accomplit, quand son bâton se transformant en une... Là aussi, je vous donne les différences par rapport à la Bible. Donc, à la suite du prodige accompli par Moïse, dont le bâton se transformant en un gigantesque serpent qui avala les serpents des magiciens de Pharaon, ces derniers se convertirent. Ça, c'est une particularité de l'islam. Je vous lis le passage. Voyant cela, les magiciens se jetèrent prosternés en s'écriant « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse ». Pharaon dit « Croyez-vous en lui avant que je vous y autorise ? Ce doit être lui, votre chef, qui vous a enseigné la magie. » Je vous ferai sûrement couper mains et pieds opposés et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers. Et vous saurez avec certitude qui de nous peut infliger le châtiment le plus sévère et le plus durable. Ils répondirent, nous ne pouvons plus maintenant te mettre au-dessus de ces preuves claires qui nous ont été présentées, ni au-dessus de celui qui nous a créés. Décrète donc ce que tu veux décréter. Tes décrets ne toucheront que notre vie d'ici-bas. Certes, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraint. Dieu est meilleur et éternel. Ça, c'est Sourate 20, 70-73. Donc, d'après l'islam, les magiciens de Pharaon se sont convertis
devant le prodige de Moïse. Alors, maintenant, quelques remarques. Le récit coranique comprend des anachronismes comme la participation d'un samaritain à l'épisode du veau d'or. Ça, c'est la sourate 20, versets 85, 87 et 95. Donc le samaritain revient dans trois versets différents. Dans un autre passage, le Coran va introduire un personnage qui s'appelle Aman, un nom familier dans le livre d'Esther, sauf qu'il le situe à la cour de Pharaon à l'époque de Moïse. Je vous lis le passage. Alors Pharaon dit, « Oh Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et peut-être apercevrai-je le Dieu de Moïse, bien que je considère celui-ci comme un menteur. » C'est ainsi que la mauvaise action de Pharaon lui fut enjolivée, et il fut détourné du droit chemin, et son stratagème se solda par sa propre ruine, sourate 40, verset 36-37. À noter que dans le livre d'Esther, ce Haman est ministre du roi perse Assuérus, soit quelques 8 siècles après l'époque supposée de Moïse. Alors, cette introduction dans le récit coranique de Haman provient de l'histoire d'Aïkar le sage, un livre araméen du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce récit, dont une allusion se trouve dans le livre de Tobie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là aussi, c'est un emprunt à des livres apocryphes. Alors, Moïse, il est soumis à l'unicité divine. Je vous lis la sourate 7, 140. Revenu à lui, Moïse s'écria, « Gloire à toi, Allah, je retourne à toi, pénétré de repentir, et je suis le premier des musulmans. » Alors, Moïse assure la continuité de la révélation des prophètes avant lui. Je vous lis la sourate 4, verset 164. « Nous t'avons fait une révélation, comme celle que nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Issa, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Nous avons donné des psaumes à David et Allah a parlé de Moïse de vive voix. » Donc, pour l'islam, Dieu a vraiment parlé à Moïse directement à haute voix pour lui communiquer une révélation. Je vous cite la sourate. « Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. » C'est la sourate 4, verset 164. Lorsque Moïse vint vers son Seigneur qui lui parla, il dit, « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, Dieu dit, « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont Sinaï. » Lorsque le Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se remit, il s'écria, « Gloire à toi, je me repens, je suis le premier des croyants. » Donc, Moïse reçut la révélation de la Torah comme une loi pour les Juifs. Mais la version... alors que Mohammed va transformer cette révélation pour le monde entier. Encore une petite singularité du récit islamique, ça concerne un voyage de Moïse avec un mystérieux personnage décrit comme instruit par Dieu de quelque chose de sa science, donc de la science de Dieu, auquel les hadiths vont donner par la suite le nom d'Al-Khidr, c'est-à-dire le vert, celui qui a la couleur verte. Moïse lui demanda de l'accompagner afin qu'il l'enseigne de ce qu'il sait comme direction de vie. Et le personnage va éprouver la patience de Moïse. Et devant l'impatience de celui-ci, le personnage explique des situations déroutantes dans le seul but de lui montrer qu'il faut obéir à Allah sans chercher à comprendre. Et alors, cette histoire emprunte à 3 sources différentes, la légende de Gilgamesh, la légende d'Alexandre, où Alexandre le Grand va rencontrer un sage vieillard
qui l'initie à la source de vie, et surtout au Talmud de Babylone. La particularité de la version islamique est d'y inclure un passage où le Kidre, le personnage vert, va tuer un enfant. Je vous lis le passage. Puis ils partirent tous deux. Quand ils eurent rencontré un enfant, l'homme le tua. Alors Moïse lui dit, as-tu tué un être innocent qui n'a tué personne? Tu as commis certes une chose affreuse. Ça c'est la sourate 18, 74. Et le savant musulman Al-Qurtubi commente ce passage en disant que Al-Qidr le tua étant donné ce qu'il savait de sa future conduite et du fait qu'il avait la nature d'un mécréant. Donc, Daesh, quand ils tuent les enfants innocents, ils obéissent à Allah sans chercher à comprendre. Hein, et ils ont un exemple. Alors, on va terminer avec Moïse. C'est sur les conseils de Moïse que Mohammed est supposé avoir fixé à 5 les prières quotidiennes. En effet, les hadiths font rencontrer Moïse et Mohammed au ciel. Je vous raconte l'histoire, ça s'appelle le voyage nocturne en arabe, Isra et Miraj. Guidé par Jibril, Mohammed entreprit ce voyage jusqu'au 7e siècle sur une monture ailée, le Bourak, au cours duquel il va rencontrer entre autres Moïse justement. Les hadiths ont corrélé ce voyage sans témoin à un verset coranique, je vous le lis. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours pour lui montrer certains de nos signes. Problème, c'est que la mosquée Al-Aqsa en question fut désignée dans la pensée islamique comme située à Jérusalem, dans le but d'en faire une ville sainte pour l'islam, toujours le but de conférer une légitimité abrahamique à l'islam. Le problème, c'est qu'à l'époque supposée de la recension du Coran, il n'y avait pas de mosquée à Jérusalem. Et là aussi, c'est un emprunt à des sources apocryphes, l'ascension du prophète Isaïe, un texte gnostique d'Ocet, D-O-C-E-T-E, hein, du 2e siècle, et la description de la monture comme une sphinge mésopotamienne, voilà, comme une sphinge mésopotamienne, avec une tête de femme, des ailes et une queue de paon, empreinte au récit mythologique perse. Les références sont marquées. Livre de Dinkar, chapitre 8, 2, 7. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. On continuera le reste la prochaine fois. La question qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si on l'a déjà abordé dans une conférence il y a quelques années, c'est toute cette reprise des personnages bibliques. Voilà, ils sont de fait dans le Coran maintenant. Mais est-ce qu'on a une histoire de la rédaction, c'est-à-dire comment c'est constitué petit à petit, ces reprises, avec les erreurs qu'on a situées ce soir, avec les imprécisions, avec les reprises de légendes, l'histoire de la rédaction. Ah oui. Alors. En plusieurs temps. Et justement, il y a un prêtre qui a écrit un livre très intéressant là-dessus. Comment s'appelle-t-il ? Carême. Je ne me souviens plus. Ça s'appelle Le Messie et son prophète. Oui, comme ça. Tu peux te mettre là. C'est un curé de Strasbourg qui a fait sa thèse universitaire là-dessus. Et puis, il en a fait un livre. Un livre qui est, que ce, c'est une thèse universitaire qui a été présentée à Strasbourg par un prêtre et qui traite du sujet des origines de l'islam. Et, est-ce que c'est Michel Rébert? Non. Édouard Galès. Voilà. Édouard Marie Galès. Voilà, Édouard Marie Galès. Galès. Et il a fait ce livre en deux tomes qui traite des origines de l'islam. Alors, le problème ne vient pas des chercheurs. Parce que là, ça fait, allez, on va dire 30 ans que les chercheurs occidentaux commencent à s'intéresser à l'islam.
Le problème, ça vient de ce que il est plus que probable qu'il y a eu une destruction systématique de tout document qui traite des origines de l'islam. À plusieurs périodes. Parce que, par exemple, on a fait des recherches pour trouver des pièces de monnaie, pour trouver des manuscrits du Coran, des manuscrits anciens, pour trouver des graffitis, pour trouver des traces de l'islam à son début. On n'a rien trouvé. Le mot islam, par exemple, n'apparaît que fin du 8e siècle, fin du 7e siècle. Donc les premiers versets coraniques qu'on a, ce sont ceux qui sont inscrits sur la mosquée à Jérusalem. Les musulmans prétendent qu'ils ont des manuscrits qui sont plus précoces, mais quand on les analyse de façon scientifique, on se rend compte qu'ils ont été rédigés bien plus tard. Et le premier manuscrit complet du Coran dont on dispose aujourd'hui, il est 150 ans après. Le plus ancien manuscrit connu jusqu'à aujourd'hui, c'est celui de Sana. Et quand on l'a étudié au rayon X, on s'est rendu compte qu'il y avait eu des versets effacés et réécrits par-dessus. Les musulmans vous diront, si nous avons des manuscrits qui ont été analysés par Carbone 14 et qui sont, qu'on a pu dater au milieu du 7e siècle. Ce qui a été daté, c'est la feuille, le parchemin, mais pas l'encre, d'accord ? Parce que quand on les regarde aux rayons X, on se rend compte qu'il y a eu effacement, etc. Donc, même l'historiographie officielle de l'islam dit, raconte que à un moment donné, il y avait un calife qui s'appelle Osman, qui va, pour garantir, entre guillemets, l'unité des musulmans, va détruire tous les autres. Il va ramasser tous les Corans qui se trouvaient à l'endroit. Il va tous les brûler, sauf un, qui va devenir la référence et qui est supposé être le Coran dont on dispose aujourd'hui. Donc, même dans leurs historiographies, on sait qu'ils ont détruit leur propre. Pourquoi ? Parce que plus tard, petit à petit, ces Arabes qui vont être maîtres des lieux en Syrie, en Égypte, tout ça, à mon humble avis, pas au nom de l'islam, encore, d'une autre idéologie qui a précédé l'islam, pour justifier leur pouvoir face à des gens qui vont faire un tri dans ce qu'ils avaient et ils vont détruire tout ce qui pouvait gêner leur prétention à eux d'être les dirigeants. Ouais. Donc, difficile à répondre à la question puisque je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses détruites sciemment par des gens qui voulaient établir une idéologie à leur service qui va devenir bien plus tard, sous les Abbasides, l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Mais toute cette période précoce, je vous ai parlé tout à l'heure des Omeyyades, il y a des pièces de monnaie de Muawiyah, un des fondateurs de la... Il y a une croix sur la pièce de monnaie. Oui. D'ailleurs, donc, on doute même, certains chercheurs doutent même de l'existence de Mahomet. Mm-hmm. Certains chercheurs sur l'islam, on trouve sur Mission Ismaili, etc., il y a des grands chercheurs qui doutent même que Mahomet ait pu exister. La première mention de Mohammed, elle date de la deuxième moitié du 7e siècle, vers 760 et quelques, 660 et quelques, 70. Et c'est un certain Ibn Zubayr qui va, qui
qui va se dire c'est moi le calife et pas le, celui qui est à Damas, et qui va frapper une monnaie où il y aura le nom Mohammed dessus. Et c'est la première fois qu'il y a mention de Mohammed, donc on est en 670. Et donc la vraie question, d'après l'historiographie officielle, Mohammed a fondé un état qui s'appelle l'État islamique. C'est arrivé après son émigration vers Médine en 622. Il va d'abord reprendre la Mecque, ensuite unifier les tribus, et ensuite, dans un deuxième temps, ce ne sera pas lui, ce sera les successeurs, ils vont prendre la Syrie, l'Égypte, tout ça. Le problème, donc il y a un État, et le fameux calife là, dont j'ai parlé tout à l'heure, Osman, d'après leur historiographie, il a détruit tous les autres, il en a gardé une version, il en a fait 5 copies, et il les a envoyées partout dans les centres, les grandes villes islamiques. Le problème, donc s'il y a un État, une minorité qui est persécutée, c'est un État qui fait des livres, mais on ne trouve rien, aucun livre, ni celui-là, ni les autres inscriptions, ni le nom de Mohammed, ni les pièces de monnaie, ni rien. Donc il y a un État qui est supposé avoir vu le jour dans les années 620, et jusqu'à qui a un livre incréé, parce que ça vient de... Et pourtant, on ne trouve rien. On ne trouve ni les manuscrits du Coran, ni les pièces de monnaie, ni les graffitis, ni les documents, rien. C'est une religion spontanée. Une religion où les origines ont été effacées. Alors, qui est censé être un grand lieu de caravane. Oui. Et les recherches archéologiques n'ont pas montré qu'à la Mecque, il y avait quelque chose. Même pas une poterie. Et c'est impossible à la Mecque de pouvoir amener du fourrage, ramener des bateaux de fourrage, ne serait-ce que pour mettre les troupeaux. Et donc c'est censé. Il n'y a pas de troupeaux, il n'y a rien à manger. Et donc et c'est pas possible. Et donc la Mecque n'est pas sur une voie de caravane et ne peut pas accueillir ce qui aurait pu être vendu. Donc déjà, même archéologiquement, la Mecque. Alors la Mecque, aucune, d'après le Coran, on vient de lire, c'est Adam qui avait fait la première, c'est Abraham qui va la reconstruire avec Ismaël. Le problème, c'est que tous les gens, tous les chroniqueurs qui ont visité la région où se trouve la Mecque, de le 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 400 après Jésus-Christ, personne ne parle de la Mecque. Elle n'existe pas. Personne. Elle ne figure nulle part sur aucun registre. Donc, l'existence même de la Mecque est mise en doute au moins jusqu'au 5e siècle. Alors que toute l'histoire parle de la Mecque, de la Mecque, de la Mecque, de la Corèche, tout ça. Alors, les mauvaises langues, parce qu'il y en a un qui a eu l'idée, puisqu'on a des satellites, de photographier par le ciel, avec les satellites, les mosquées, entre guillemets, les endroits, les rassemblements de la prière, les premiers rassemblements de la prière, qui datent du 7e siècle. Et donc, il en a trouvé une au Liban, deux en Jordanie, une à Palestine, une au Pakistan et une en Afrique du Nord, je ne sais plus. Donc, ça, c'est les premières mosquées documentées dont on dispose et qui existent toujours. Et qu'on a pu voir les fondements. Donc, d'après l'historiographie officielle, les premières mosquées étaient dirigées vers Jérusalem. Et puis, une révélation de Dieu à Mohammed vers 624-625 lui dit non, il ne faut plus vous tourner vers Jérusalem, maintenant il faut vous tourner vers la Mecque. Donc ce type, par satellite, il pouvait très bien voir comment était dirigé vers la Qibla. Ils appellent ça la Qibla, c'était la direction. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Vous avez une idée? Petra. Ouais. Petra, oui. Pendant 100 ans, c'est-à-dire du 7e siècle jusqu'à milieu du 8e siècle, toutes les mosquées, les endroits de prière, ils étaient dirigés vers Petra. D'ailleurs, on dit que Coran, Mecque, etc., ce n'est pas des noms arabes, mais des noms araméens.
Et certains chercheurs allemands pensent qu'en fait tout ça, ça s'est passé dans la région de Syrie, Liban, Palestine, et que ça aurait été déporté après pour des raisons politiques. Ouais. Donc ça mérite déjà une soirée à part entière pour faire la part des choses. Mais donc j'ai dit, c'est très difficile parce que les documents, les sources du début manquent. Ils ont été détruites. Il n'y a pas d'autre. Pourquoi elles ont été détruites? Parce que ça contredit la version actuelle dont on dispose. Et donc la version actuelle dont on dispose, ça a été construit par les Abbassides bien plus tard pour gouverner un vaste territoire qui leur est tombé sous la main et il fallait qu'il y ait une légitimité à le faire. Voilà. Dans les débuts de l'islam, il y a même des musulmans qui considéraient qu'aller faire le pèlerinage à la Mecque n'était pas musulman. Il y avait un pèlerinage dans la péninsule arabe qui était connu de tout le monde et qui se déroulait au nord, un peu au sud de la ville de Petra. Ça, c'est documenté. Il y avait un pèlerinage qui regroupait toutes les tribus arabes, on parle avant l'islam. Mais un pèlerinage à la Mecque, ça n'existait pas. Par contre, il y avait des pierres noires qui étaient... C'est les pèlerinages qui se faisaient avant l'islam se faisaient vers les pierres noires, qui étaient supposées être des cadeaux d'une déité du ciel, de Vénus, ou, voilà. Et certains disent même que les femmes qui voulaient avoir un enfant se frottaient dessus, avec, parce que ça, c'était des déesses de fertilité, etc. Bon, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça mérite des recherches, de trouver des sources de l'époque, tout ça. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les premières mosquées étaient dirigées vers Petra, et qu'à Petra, il y avait une Kaaba. Ça, on le sait par l'archéologie. Et il y a des gens qui disent qu'au moment où Ibn al-Zubayr, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est érigé contre le calife Omeyyade, au moment où ce monsieur se rebelle, les Omeyyades lui envoient une armée pour le détruire. Il est dans la région de Petra. Au moment où l'armée arrive des Omeyyades, le calife Omeyyade meurt. L'armée fait demi-tour et Ibn al-Zubayr va transporter la pierre noire qui était à Petra pour la mettre à la Mecque. On pense que c'est à ce moment-là que la Mecque devient. Pourquoi la Mecque? Parce que c'était hors du territoire. C'était tellement loin et c'était difficile d'accès. Il les a mis là-bas pour les mettre un peu à l'abri. Et parce que ces pierres noires, c'était le centre du pèlerinage. Donc ça conférait la légitimité à celui qui les possédait. Alors Ibn al-Zubayr va être battu. Et je pense que les pierres noires vont rester à la Kaaba parce que ça arrangeait à la Mecque, parce que ça arrangeait tout le monde. Voilà. Alors ça, c'est conforté, c'est pas prouvé, c'est conforté par les trouvailles aussi, pareil, par les satellites, où on voit que jusqu'à 740, jusqu'à la fin du 8e siècle, les mosquées sont dirigées vers Petra. À un moment donné, elles ne vont plus être vers Petra, mais pas encore vers la Mecque. Puis elles vont devenir vers la Mecque à partir de 750. Mais l'islam qui était en Afrique du Nord, à l'extrême, c'était des Omeyyades. Quand les Abbassides ont détruit les Omeyyades à Damas, une partie du royaume des Omeyyades, qui était donc dans le Maroc actuel et l'Espagne, lui, il va rester Omeyyade. Donc ces gens-là qui n'étaient pas dans le giron des Abbassides, ils ne vont pas tourner vers leur mosquée vers la Mecque, ils ne vont pas la tourner vers Petra, et ils vont la tourner sur le parallèle qui va de Petra à la Mecque.
la ligne qui ils vont aligner en parallèle à cette ligne. Voilà. Tout ça, c'est des découvertes toutes récentes. Il y a 10 ans, vous voyiez presque rien sur Internet quand vous faisiez des recherches. Aujourd'hui, en anglais, vous trouvez énormément de choses. En français, pas grand-chose. Mais je pense que ce n'est le début. C'est le début. Les gens ne se sont intéressés que depuis 30 ans. Justement, il y a quelqu'un qui a le pseudonyme de Olaf qui reprend les thèses du père Gallet. Ouais. Et on peut le avec les différentes époques et tout, et on peut le consulter gratuitement sur Internet. Oui. On avait appris ça à une session Jésus le Messie. C'est ça. Olaf, il a rendu digeste les tomes du Messie et son prophète du père Gallet, parce que lui, il a écrit une thèse universitaire qui est indigeste, hein, il faut être scientifique pour la lire. Olaf, il a fait le travail de la rendre digeste. Et donc on peut la consulter sur Internet, effectivement c'est gratuit. Même. Oui, ouais. Dans les conférences de Mission Ismaïl, très très bonne présentation. Et des choses... on pense aussi que la mosquée à Jérusalem était une église. Et que les inscriptions à l'intérieur du dôme ont été rajoutées après. Ah ouais. Tu parles du dôme de l'église, de la mosquée du... Ouais. Non, pas d'Al-Aqsa. La grande mosquée qui a géré l'âme au-dessus du temple. Ce qu'on appelle le dôme du rocher. Voilà. On pense que c'était une église et que les inscriptions à l'intérieur ont été rajoutées. Alors que là, on parle d'Al-Aqsa qui est à côté. Je pense même que l'église Saint-Sophie était une église. Si mes sœurs ne sont pas trop faites. Par contre, suite à cet exposé ce soir, je suis en train de me demander, mais pourquoi est-ce que finalement ces gens s'embêtent à reprendre l'histoire d'Adam, de Ève, de Moïse, de Caïn, de Abel, etc. Pourquoi se compliquer la vie, enfin, mais non, mon truc c'est la suite et que c'est les meilleurs. Mais oui, mais c'est quand même pas évident. Ils sont héritiers de ce qu'on leur a donné. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire dans ces années-là? Si je regarde maintenant dans l'année 500 ou 600, donc les environs de la Mecque, de Petra, etc., ces peuplades nomades, donc d'après ce qu'on vient de voir, ils avaient des divinités. Donc, ils ne connaissaient pas la religion juive, ils ne connaissaient pas la religion chrétienne, je suppose. C'est pour se donner, si vous voulez, vous pouvez faire la parallèle par rapport à votre question avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Émirats arabes, tous les pays du Golfe et leur pétrodollars sont en train de se constituer une histoire à travers les acquisitions qu'ils font un peu à travers l'Europe ou ailleurs, pour se constituer une histoire, pour avoir une racine, un point de départ. Et à l'époque, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'existait pas, et à travers ces pillages, entre guillemets, ils se sont constitués un patrimoine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Qatar, en 1970, il n'existait pas. Donc, aujourd'hui, il invite le monde entier à des jeux olympiques, etc. C'est toujours cette recherche de se faire un nom ou un patrimoine. Mais plus précisément, ce que tu as dit n'est pas juste. La péninsule arabique, au sud, il y avait Yémen. Le Yémen, à un moment donné, il y avait une tribu qui était devenue juive. Pourquoi elle est devenue juive? Par peur d'une autre tribu qui, elle, était devenue chrétienne et qui dépendait de Byzance, et l'autre est devenue juive. Donc, toutes ces histoires étaient dans la région, tout le monde, ça circulait. Dans le Bahreïn, et dans le Koweït, surtout dans le Bahreïn, il y a des églises qu'on déniche là. Ah, oui. On trouve des églises du 7e siècle, du 6e siècle. Et dans le nord de la péninsule arabique, il y avait même des royaumes chrétiens, les Ghassanides par exemple. C'était des vrais royaumes. Donc il n'y avait pas que les Bédouins. Les Ghassanides, les Lakhmides. Les Lakhmides étaient utilisés comme
mercenaires par les Perses. Les Ghassanides étaient utilisés comme mercenaires par les Byzantins. Et la Perse et la Byzance se faisaient la guerre par ces mercenaires interposés. Et c'était, les Ghassanides étaient des chrétiens. Sauf que ils n'étaient pas des chrétiens conciliaires, c'était des hérétiques. Ils étaient ariens ou nestoriens, voire dégnostiques. Et tous ces gens-là connaissaient parfaitement l'histoire judéo-chrétienne. Donc, non. Et surtout à Petra. Alors, Petra, c'est là, par contre, la Mecque, je ne sais pas si ça existait et s'il y avait des caravanes qui passaient, mais à Petra, c'était vraiment un centre où les trafics, ça venait du Yémen jusqu'à la Syrie. C'est par là que passaient le poivre et les épices, etc. Donc, vraiment, là, c'était très multiculturel. D'ailleurs, si tu regardes à Petra, l'architecture, chaque roi faisait une architecture qui dépendait un peu de ses... Et on trouve toutes les architectures. On trouve des trucs qui ressemblent aux Grecs, d'autres qui ressemblent aux Romains, d'autres qui ressemblent aux Perses. Tout ça dans la même... C'est parce que c'était sous influence de tout ça. Et alors, quelle était la nécessité de trouver une autre religion, enfin disons de... Alors, si on croit le père Calès, son hypothèse, c'est que à l'époque, au premier siècle, une partie de ceux qui vont écouter le message du Christ et vont obéir au message des 12 apôtres, vont devenir des chrétiens. Il y avait d'autres groupes juifs qui voyaient en Jésus le Messie, mais ils n'écoutaient pas, ils n'étaient pas sous la... ils n'écoutaient pas les apôtres. Ils avaient leur propre secte. Et c'est ce qu'il appelle les judéo-nazaréens. Ils étaient juifs de naissance, mais ils n'avaient pas accepter les positions des apôtres dans leur façon dont ils présentaient Jésus. Donc pour eux, Jésus était quelqu'un qui était le Messie, mais il n'est pas mort sur la croix. Il a été abdiqué, comment dire, abducted, ça c'est de l'anglais, enlevé au ciel. Et il devait revenir pour détruire ses ennemis et établir son royaume sur terre. Dans le sang. Et ils pensaient que pour ça, pour que ça puisse se faire, il fallait que eux, les judéo-nazaréens, reprennent Jérusalem aux hérétiques qui sont les chrétiens, les Byzances. Et comme ils n'étaient pas en nombre suffisant, ils vont embrigader des mercenaires. Les mercenaires qui travaillaient pour les Perses et pour l'Empire romain pour se faire la guerre, ils vont leur dire pourquoi vous vous battez pour ces gens-là. Vous êtes les enfants d'Ismaël. Nous sommes les enfants d'Isaac. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. On revient à ce que j'ai présenté. Unissons-nous. Nous n'avons même pas besoin de faire la guerre. Vous êtes les maîtres du terrain. Ce que c'est, vous êtes leurs mercenaires. Donc, sur mon noble avis, au départ, les judéo-nazaréens ont influencé ces Arabes, qui étaient nombreux, eux, ils n'étaient pas nombreux, pour occuper les terrains qui étaient déjà sous leur occupation, puisqu'ils étaient maîtres du terrain. Donc il n'y a pas eu de guerre tout de suite. Ils ont pris le pouvoir parce qu'ils étaient, eux, sur place, mais pas au nom de l'islam. Au nom du hanafisme. On revient tout à l'heure. Parce que ces gens-là, qui ont été influencés par les judéo-nazaréens, qui n'étaient pas eux-mêmes juifs, ne pouvaient pas être juifs, ils étaient hanifs. Hanif, ça veut dire... la religion d'Abraham. Voilà. Ils ont fabriqué ça. C'est une idéologie qui a diffusé dans les pays, chez les Arabes qui étaient nombreux et qui ont pris le pouvoir sans combattre. Après, il a fallu se battre contre l'Empire byzantin quand il a voulu
reprendre ce qui lui a été arraché, c'est la bataille du Yarmouk. Et une fois qu'ils étaient maîtres du terrain, et la facilité, il faut dire aussi que les populations qui ont été occupées, là je reviens à ce que disait le saint Jean Damascène, il y avait parmi ces chrétiens des gens qui se sentaient opprimés par l'Empire byzantin. Donc ils n'allaient pas se battre pour l'Empire byzantin, d'autant plus que ceux qui venaient arriver, ce n'était pas encore l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'était pas Daesh encore, c'était encore une idéologie hanif qui empruntait un peu à tout. Et donc, ils n'ont pas se senti pas mus par le vouloir de combattre pour l'Empire de Byzance contre ces gens-là. Donc, ils ont accepté ces gens-là qui sont arrivés. Et Saint Jean Damascène dialogue avec eux. Donc, ils n'étaient pas encore la... le califat tel qu'on le présente aujourd'hui. Et donc, pourquoi ils ont ça? C'est, après, ils vont rédiger dans les textes coraniques et dans les hadiths tout ce qui va justifier une prise de pouvoir d'attaquer l'autre, le mécréant, pour lui prendre ses femmes et sa terre, etc. Mais ça va venir plus tard. Au début, il y a cette idéologie judéo-nazaréenne mêlée avec des courants de pensée arabes, influencés par les Ariens, les Nestoriens et autres, par les Sabéens, par les Manichéens. Voilà, donc tout ça va faire petit à petit son œuvre, et après ça va donner lieu à un État islamique, comme le comprend aujourd'hui. Qui a besoin donc du coup de quelque chose, du Coran, de... Mais le mot Coran, ça vient du... c'est pas un mot arabe, c'est un mot araméen, et qui veut dire lectionnaire. Pardon. Lectionnaire. Donc c'était une sorte de... C'est une version qui dit ils ont rédigé un condensé rapide pour attirer ses tribus et reprendre Jérusalem, donc cette... Cette secte juive voulait des alliés pour reprendre Jérusalem. Et eux, leur but, c'était de prendre Jérusalem, les judéo-nazaréens. Sauf qu'ils vont prendre Jérusalem, et le Messie ne va pas revenir. Ils, dans leur pensée, quand ils prennent Jérusalem, ils vont reconstruire le temple, c'est ce qu'ils vont faire. Jésus va descendre, et il va tuer tous les mécréants. Comme Jésus tardait à revenir, les Arabes, qui étaient, eux, la masse, de tout ça, pour se débarrasser des judéo-nazaréens et construire leur territoire, leur, ce qui va devenir l'islam. Mais ils vont garder les feuillets, quelques feuillets originaires de ce lectionnaire qui s'appelle le Coran, et le travailler après. Et tout ça, ça se passe plutôt au nord de l'Arabie qu'à la Mecque. Donc le Mahamad et la Quraysh et tous ces gens-là ne vivaient pas à la Mecque, ils vivaient au nord. Et à un moment donné, ils vont partir à Médine. Médine, c'était une oasis qui était connue dans l'histoire et qui était sur la voie. Donc il y avait des rapports probablement familiaux entre... Médine, donc, c'est la ville... Donc, finalement, c'est ce qui explique aussi que le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui est devenu pratiquement, je dirais, entre guillemets, presque le code napoléonien. C'est pire que ça. Pour eux, qui gère tous les règles, incréé. Etc. C'est incréé. C'est-à-dire le Coran que tu as dans la main, c'est le double de ce qui est marqué dans le, gravé dans le marbre au ciel. Par contre, il y a des choses positives. J'ai écouté cet été-là des conversions de musulmans qui se sont convertis à partir du Coran. En recherchant le salut, donc le gars c'est un imam. Ce sera le sujet de la deuxième partie. C'est un imam et en lisant le Coran, il s'est converti parce qu'il a trouvé l'incohérence. Alors quand on va arriver à Jésus, Marie, on va aborder cet aspect. Tu parlais du jugement quand tu parlais de l'islam, alors que Adam, il a été pardonné. Alors pourquoi il y avait cette notion de jugement dernier? Alors qu'ils ne croyaient pas en Jésus comme... Non. Justement, si on pense qu'il y a une idéologie, ouais, et que cette idéologie ne veut surtout pas
que le salut vienne par le sacrifice de Jésus, il faut trouver autre chose. Donc, Jésus, qu'est-ce que les chrétiens disent ? Les chrétiens disent la rébellion initiale, c'était d'un ange qui n'a pas voulu du projet de Dieu d'alliance avec des humains. Et donc, Adam et Ève sont tombés dans le piège. Le péché qu'ils ont commis les a coupés de la grâce, qui est un don de Dieu. Donc, ils ont été coupés de la grâce. Pour rétablir la grâce, il a fallu le sacrifice de Jésus. Les musulmans disent, non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu le péché, c'était un péché sans problème, il a été pardonné, mais ils n'expliquent pas pourquoi on n'est pas revenu au paradis. C'est encore une des contradictions internes à l'islam. Mais est-ce qu'ils croient en jugement dernier, les musulmans ? Oui, mais pas sur la base, mais pas, c'est une autre base. Pour eux, il n'y a pas besoin du sacrifice de Jésus pour rétablir la grâce sanctifiante et pouvoir mener une vie où l'Esprit Saint fait son œuvre dans la vie des gens pour devenir des saints. Pour eux, il suffit d'obéir à la charia et d'appliquer les préceptes de la loi. Point. Si tu fais ça, tu fais les cinq trucs là, qu'ils ont, la prière, la zakat, tu fais ça et ton ticket, et tu as un ticket, tu as un ticket, c'est bon. Oui. Pas besoin de chercher à te sanctifier. Et à aucun moment, ils ne savent s'ils seront sauvés ou pas. Oui. Ah, oui. Et c'est ce qui, chez certains, les amène à chercher comment avoir le salut. Et à travers le Coran, ils ne trouvent pas comment avoir le salut. C'est ça. Ils basculent dans le christianisme parce qu'ils disent oui. Ce sont ceux parmi les musulmans qui sont chercheurs de vérité. Ceux qui cherchent la vérité. La plupart, il y a 1,2 milliard qui cherchent rien du tout. Ben oui, le Coran leur permet de vivre selon leur instinct. D'ailleurs, ils en sont fiers. Ils disent que l'islam, c'est la religion de l'instinct. Tu vis tes instincts, al-fitra. Bon, tu vis un instinct. Ils en sont fiers et ils trouvent que tu n'as pas besoin, aucune recherche de sainteté, de te sanctifier. Ça n'existe pas. La prière n'a pas ça. Ce n'est pas le but de la prière. C'est une obligation légale. Tu dois prier si tu ne fais pas. Il n'y a aucun moyen d'avoir le salut direct. Même Mohammed disait dans un hadith que lui-même, il n'était pas sûr qu'il allait être sauvé. Donc voilà, effectivement, comment veux-tu être sauvé alors que celui qui est ton guide, prophète, qui a établi, lui-même ne sait pas s'il est sauvé. Mais par contre, eux, ils ne croient pas dans l'enfer comme nous on croit. Nous, pour nous, l'enfer, c'est une séparation définitive d'avec Dieu. Et eux, ils ne considèrent pas du tout ça. Donc, les seuls qui connaîtront un enfer définitif, ce sont les mécréants. Ah oui. Tous les autres, à un moment donné, ils vont connaître le feu, tout ça, et puis à un moment, ils retrouveront le paradis. Mais ceux qui retrouveront le vrai paradis, ce sont ceux qui auront fait sauter des innocents, qui sont morts dans le combat, et eux, ils vont avoir les 70 vierges éternelles. Les femmes, elles, on ne sait pas ce qu'elles vont avoir au paradis. On sait juste que les hommes mariés auront leurs femmes qui viendront dans le cortège des 70, mais dans l'autre sens, on ne sait pas. Mais dans le Coran, il n'y a qu'un homme qui est cité comme étant le fils d'une femme. Tous les autres sont cités comme étant le fils de Jésus. C'est le seul qui est Jésus. Ah oui, mais on va y arriver la prochaine fois. Oui, il est parlé qu'il est présenté comme au-dessus de tous les autres personnages. Vous voulez vraiment anticiper. Ah oui, Mais quand même, dans les chez les musulmans, il y a quand même la notion de péché. Oui, mais le péché, ce n'est pas du tout la même chose que nous. Nous, pour nous, le péché, c'est une rupture de relation avec Dieu. C'est quand tu rates la cible. La cible étant Dieu. Pour eux, le péché, c'est une morale très malléable. Par exemple, tu n'as pas le droit de voler. Si on te vole, on te coupe la main.
Par contre, si tu fais une razzia chez des mécréants et tu leur prends tous leurs biens et leurs femmes et leurs... ça, c'est pas du vol. C'est Dieu qui te donne le droit. Comme la taqiya. La taqiya ? Oui, tu n'as pas le droit de mentir en islam. Mais si quelqu'un, tu te sens en situation de faiblesse, tu peux mentir. Dieu te donne la permission. On dit d'ailleurs que, je ne sais pas si c'est fondé, parce que j'ai écouté un propagateur islamique qui s'appelle, je ne sais plus son nom là, celui qui était retrouvé en Belgique, expulsé de France, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, ouais. Et qui développait la thèse que la taqiya est née dans le monde chiite et pas sunnite. Il fait de la taqiya là. Ouais. Non, il a raison sur un point. Ouais. Les sunnites, comme ils étaient les plus forts et qu'ils tuaient les chiites, ouais, n'avaient pas besoin de la taqiya. Dominateurs. Ce sont eux les dominateurs. Ceux qui avaient vraiment besoin de la taqiya, c'était les chiites qui étaient persécutés par les sunnites et qui ont développé la taqiya. C'est vrai, dans les faits. Mais sur le droit, non, le droit c'est dans l'islam. Les deux ont le droit de le faire. Et les druzes ont encore poussé la taqiya jusqu'à... Non, les druzes sont musulmans, ça, ben, ils sont plus musulmans. Mais ils vont garder la taqiya parce que ça leur permettait de se défendre vis-à-vis des sunnites. Donc ils se présentaient comme des musulmans alors qu'ils n'étaient pas musulmans, donc ils pouvaient mentir. Et les alawites, enfin toutes les branches ésotériques qui sont nées de l'islam pratiquent la taqiya à son maximum. J'ai rencontré un musulman, enfin pas un musulman, mais un converti. Il me dit, moi j'étais musulman, ma mère m'a dit je suis musulman, donc j'étais musulman. Et dans le Coran, il y a énormément de prières de malédiction et choses comme ça. Il dit l'ésotérisme est beaucoup plus développé dans l'islam que dans le christianisme. Il me dit j'ai touché la drogue, tout ça, mais voilà, je faisais mes... Et puis un jour, il a acheté un bouquin. C'est un évangélique. Et dedans, il y a comment se retrouver bien, etc. Et il y a la parole, mets-toi dans ta chambre, enferme-toi dans ta chambre, et prie, etc. Et il dit, bon, j'ai pris ça et je l'ai fait. Donc il a commencé à parler à Dieu. Et dans la nuit, le Christ est apparu. Il a un poster de paysage dans sa chambre. C'est un témoignage qui revient très souvent. Et le Christ est apparu. Aujourd'hui, c'est lui qui lançait le chapelet quand on était dans la voiture. Il est converti. Et quand on a quitté Notre-Dame du Los, là, la femme qui était en face de moi, pareil, c'était une convertie, elle, c'est la Vierge qui était la chercher. Elle était posée un cierge, deuxième tour des élections, elle rentre dans une chapelle, elle pose un cierge près de la Vierge, parce que, et elle dit, elle est venue me chercher. Alors elle n'a pas raconté après, mais elle dit, voilà, maintenant je suis en recherche. Cet été, j'ai vu plein de convertis comme ça, ou un camarade s'est converti, lui, en voyant les chrétiens, la façon dont les chrétiens se traitaient entre eux, comment ils vivaient l'amour entre eux. Alors lui, il n'a pas vu le Christ, alors c'est marrant, parce que le prêtre qui est en face de lui, quand il témoigne, il dit, c'est un des rares musulmans qui a été converti sans voir le Christ. Il dit, ouais, non, c'est le Christ, j'ai vu à travers les changes aujourd'hui. Merci, il a vu le Christ dans son corps. Voilà. Il est oblat bénédictin maintenant. Il a écrit un bouquin. Cet été, j'ai des conversions, puis des conversions datées, puis des musulmans, mais les musulmans, souvent, c'est le Christ qui vient les toucher directement. Ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer et de parler dans les médias, etc., parce que sinon... Attends, les médias, tu penses que les médias les écoutent? Ils le font. Les médias, ils ont besoin d'être protégés. France catholique, des choses comme ça. Ils ont besoin d'être protégés. Ils sont en danger. Ils ne vont pas être tués, ils sont en danger. Non, mais les médias, ça ne les intéresse absolument pas. Par contre, si vous trouvez un père, un curé qui a peut-être... dit un mot gentil, trop gentil à quelqu'un, un enfant, etc. Là, ils en parlent, oui, là, oui, mais les convertis de l'islam, ça les intéresse absolument pas. Parce que tu te souviens, Jésus, mais s'il y a une fille qui disait, le jour où j'ai annoncé mes parents que je voulais devenir chrétienne, mon père m'a passé par la fenêtre. Et heureusement qu'on était au premier étage, mais elle boite depuis.
Oui, en plus, ils encourent le danger d'être tué ou d'être. On peut forcer un homme à divorcer de sa femme et de perdre donc sa famille et ses biens. Ça arrive couramment. Si vous êtes converti dans un pays islamique, on vous fait divorcer, on vous fait perdre tous vos biens. Parfois, on vous tue. Ça dépend du pays. Sinon, vous êtes obligé à l'exil. Hein. Je reviens à la question que j'ai vue. Donc, l'historiographie de la constitution de toute cette récupération biblique est difficile à établir, en fait. Ah, hein. Alors, il y a une historiographie officielle. D'accord. Mais en raison de la destruction des documents, à mon avis, oui. Ce ne sera jamais faisable. Je pense que l'islam tel que eux le racontent n'est pas vrai. Mais comme pour éviter que la vérité soit connue, tout ce qui pouvait témoigner de ce qui est réellement passé a été détruit. Par exemple, les traces des judéo-nazariens. Certains disent que les alawites qui sont en Syrie aujourd'hui sont les descendants, entre guillemets, sont les descendants des judéo-nazariens. Mais après, ça, c'est pas sûr du tout, hein. C'est encore plus. Il est marqué dans le Coran, si tu ne trouves pas la vérité dans le Coran, va la chercher dans le livre de Moïse ou dans le livre de Jésus. On y a. On en parle la prochaine fois. Ça m'aide. Le pire, c'est que les homonymes musulmans, quand on leur en parle, ils ne savent pas. Pas tous, il y en a qui savent, il y en a qui est docteur, mais des fois, il y en a quoi. Ah bon? Oui, mais justement, les docteurs, ils ne savent pas l'histoire, d'où ça vient et tout ça, les docteurs qui... Il y a un verset dans le Coran qui leur dit, si vous vous posez des questions qui mettent en doute, surtout, arrêtez-vous parce que vous allez en enfer. Enfin, et puis, les imams, en fait, c'est pas un clergé? Non, c'est... Celui qui connaît mieux le Coran, c'est celui qui guide la prière. Oui, il est autoproclamé, quoi. Non, les aumôniers juifs, protestants et catholiques qui font 6-7 ans d'études. Ouais. Et on a des aumôniers musulmans, il a eu son bac, il a fait un an en Égypte, et il est aumônier musulman. Imam. Voilà.